Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les 2 semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit Coolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis hivernaux de la semaine 3 de Fortnite saison 1 chapitre 4. Alors les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h. Et le premier défi va vous demander d'apprivoiser ou de chasser la faune sauvage. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver soit un sanglier, soit des loups comme il y a en face de moi. Et là, vous allez soit sauter sur l'animal en question pour l'apprivoiser ou alors vous le tuez tout simplement. Et dès que vous aurez tué ou chassé ou apprivoisé plutôt un animal sauvage, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de chasser une grenouille à 5 mètres de distance ou moins. Donc pour trouver une grenouille, moi ce que je vous conseille c'est tout simplement de vous rendre là où il y a de l'eau, donc là dans le ruisseau. J'ai longé le ruisseau et là j'ai trouvé une grenouille, donc j'ai vu l'indicateur de grenouille. Par contre là je la vois pas, je sais pas où est-ce qu'elle est, je l'entends par contre. Ok, je crois qu'elle est au-dessus, je crois qu'elle est au-dessus, donc je vais monter. Et ouais, effectivement, elle est juste là. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement la pinguer. Et ensuite, vous allez la chasser à moins de 5 mètres. Donc ce que vous faites, c'est que vous la piochez. Hein, pour être sûr d'être à moins de 5 mètres, vous la piochez. Bon, après, j'ai l'impression qu'elle va pas se laisser faire. Ouais, non, elle se laisse pas trop faire. Donc ce que vous faites, c'est que vous courez après avec une arme. Prenez un shotgun. Et quand vous êtes juste à côté, boum! Donc voilà, il faut vraiment la tuer à 5 mètres maximum ou moins de 5 mètres. Donc essayez de la pinguer pour voir à combien de distance vous êtes. Et dès que vous aurez chassé une grenouille, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de regagner des PV ou du bouclier en sautant sur des méduses célestes. Donc les méduses célestes, c'est tout simplement ces petites méduses que vous voyez en face de moi. Donc c'est nouveau depuis le chapitre 4. Et en fait, ces méduses, vous allez en trouver un peu partout sur la map, hein, mais vous avez de grandes chances d'en trouver plus ou moins par ici. Donc voilà. Donc quand vous avez trouvé des méduses célestes, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement regagner des PV en sautant dessus. Donc là, regardez, il me manque 95, enfin il me manque 5 de PV. Donc si je saute dessus, boum, ça me donne 20 de PV ou du bouclier. Et là, pour terminer le défi, vous allez devoir sauter sur 3 méduses. Pour obtenir un total de 50 PV ou 50 boucliers. Dès que vous aurez sauté sur 3 méduses, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de chasser de la faune sauvage en une seule partie. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de voyager avec un véhicule. Donc vous prenez une moto, vous faites tout le tour de la map et dès que vous voyez un sanglier ou un loup, ben là vous le chassez. Donc vous le tirez dessus, voilà, vous le tuez. Et là, logiquement, ça validera votre défi. Mais vous allez devoir en tuer 10 en une seule partie. Donc là, je pense que si vous tuez, par exemple, les petites méduses, voilà, comme ceci, ça, je pense que c'est compris pour de la faune sauvage. Ouais, voilà, vous avez vu, il est marqué faune sauvage chassée plus 100 XP. Donc n'hésitez pas à tuer les méduses. Ça marche aussi avec les grenouilles, avec les loups, les sangliers. Et je pense que j'ai tout dit. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre faune sauvage. Donc franchement, vous prenez un véhicule et vous faites le tour de la map. Et dès que vous voyez de la faune sauvage, bah là vous les tuez. Et dès que vous aurez tué 10 faunes sauvages en une seule partie, il faut le faire en une partie, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de rentrer dans des tas de feuilles ou des buissons ou manger des slapels. Alors les tas de feuilles, regardez, il y en a un juste ici. Il y en a un peu partout hein, sur la map. Donc regardez, juste ici sur le gameplay, vous allez pouvoir en trouver à cet emplacement-là. Donc, soit vous rentrez dans ces tas de feuilles ou dans des buissons. Bon, là, j'en ai pas de buissons à côté de moi, mais c'est des gros buissons. Hein. Ou alors, vous mangez des slapels. Alors, les slapels, j'en avais vu, voilà, ils sont juste ici. Donc, pour vous aider à trouver des slapels, je vous affiche une map avec tous les emplacements des slapels de Fortnite saison 1, chapitre 4. Et les slapels, c'est tout simplement ceci. Donc, ce que vous faites, c'est que vous en consommez. Et là, dès que vous aurez... consommer, ah ben c'est un défi à étapes en fait. Donc soit vous consommez 10 lapels pour réaliser l'étape, soit vous sautez dans 10 tas de feuilles, dans 10 buissons, peu importe. Ensuite vous aurez une deuxième étape, une troisième étape et je pense qu'il y a 5 étapes au total. Donc voilà, vous consommez 10 lapels, vous entrez dans des tas de feuilles ou vous allez dans des buissons pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de parcourir la distance en utilisant un minerai cinétique. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre à Shattered Slab.
Donc voilà, juste ici sur le gameplay, parce qu'à cet emplacement-là, vous avez des minerais cinétiques qui vous attendent. Donc ce que vous allez devoir faire avec ces minerais, donc ces gros cailloux là, comme vous voyez devant moi, là, gros cailloux bleu. Donc ce que vous allez faire en fait, c'est taper le caillou cinétique comme ceci, plusieurs fois, hein, vous le tapez plusieurs fois. Et là, regardez, quand vous allez dessus, à un certain moment, ça va vous faire déplacer comme ça vient de le faire. Alors je sais pas par contre, où est-ce qu'il s'est expulsé? Mais voilà, ça a bien fonctionné. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, en fait, c'est de voyager sur, sur de très longues distances. Donc essayez de faire en sorte d'envoyer un caillou à l'extérieur de la mine. Comme ça, vous aurez le champ libre. Parce que là, regardez, il est un peu bloqué. Ok, donc là... Waouh, c'est un truc de ouf. Ok, donc là, attendez, je vais prendre la moto. Et je vais aller rejoindre... le minerai cinétique qui est parti à l'extérieur de la mine. Et je vais l'utiliser pour voyager. Regardez, là, il est juste ici, donc c'est parfait. Là, j'ai le champ libre. Donc, on va mettre un ping juste là. Donc là, ça fait déjà 200 mètres. Donc, si j'arrive à aller jusque là-bas, j'aurai déjà validé 200 mètres. Donc, hop, je le frappe. Ensuite, je monte dessus. Et là, boum. Bon, par contre... c'est un petit peu compliqué à diriger, hein. Mais ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, en fait, c'est de parcourir la distance comme je le fais actuellement. Donc vous le faites sur une certaine distance et quand vous aurez atteint la distance demandée, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine le guide complet des défis hivernaux de la semaine 3 de Fortnite saison 1 chapitre 4. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace!